Monsieur Goubeau, comment est-ce que vous êtes arrivé en Dordogne? À quel moment? Oh, j'avais 30 ans. Et j'en ai 90, là. Qu'est-ce qui vous a amené en Dordogne? Mais je cherchais un pays de soleil tempéré. Et j'ai dit là, je vais faire hygiène de vie. J'avais appris ça du docteur Carton, qui m'a beaucoup aidé dans mon mental et dans ma nourriture. Je suis devenu végétarien et j'ai mené ma mère jusqu'à 100 ans dans ce régime. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ce genre de maison d'hygiène? Non, mais ils venaient là pour se ressourcer. C'était des Parisiens, beaucoup, de la ville, quoi. Ils venaient pour se ressourcer. Ils avaient appris déjà qu'on allait faire de l'agriculture biologique. Et alors, agriculture biologique veut dire, bon, alimentation aussi saine. Alors, c'est venu petit à petit comme ça, oui, parce que de mon temps, quand j'étais jeune, les gens mangeaient beaucoup de viande, Et beaucoup de sucre. du jus de sucre, et ils mouraient de cancer, de tuberculose, beaucoup à l'époque. Et comment vous avez rencontré le docteur Carton? Ah, dès qu'on Docteur faisait de Carton? l'agriculture biologique, j'ai été dans un endroit avec un monsieur qui s'appelait Michel Rémy et qui étudiait la question. Et il y avait un compagnon là qui m'a dit, je vais vous passer un petit cahier, là. Vous allez voir, écrivez, écrivez, et c'est fabuleux. Alors, en effet, j'ai écrit et on m'a envoyé la liste des ouvrages. Et là, vraiment, ça m'a ouvert l'esprit. Incroyable, j'étais complexé, tout ça. Ça a été fini, radical. Est-ce que le docteur Carton avait une clinique? Oui, à Brévannes, la région parisienne, il y avait 300 livres. Et il apprenait à ses malades à vivre sainement de la nature. Ce n'était plus de la synthèse. C'était le début de l'agriculture biologique Oui. adaptée pour les différents consommateurs. Oui. Ah oui, chacun a son tempérament, n'est-ce pas? Docteur Carton a fait un livre là-dessus. Chacun a son tempérament et qui doit adapter, selon Hippocrate, à une alimentation qui lui est propre. Qu'il l'entretiendra Plus longtemps possible. très très vieux, oui. Est-ce que vous avez vu tout de suite les bienfaits de cette mise en pratique des principes du docteur Carton? Ah oui, c'est surtout mentalement, hein. Ça m'a ouvert. J'étais complexé, moi,
étant très jeune, j'ai culpabilisé. Et puis les prêtres nous culpabilisaient un peu trop, hein, aussi. Là, ça m'a ouvert les yeux, l'esprit. Ça m'a changé la vie. Complètement. Est-ce que vous continuez encore à suivre les principes du docteur Carpentier? Ah oui, toujours. Toujours. J'ai deux maîtres livres sur l'alimentation et sur les sciences occultes. La science occulte et les sciences occultes. Ce qu'on peut en faire de bien ou de mal. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, monsieur Goubeau, à l'aube de vos 90 ans? Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ben, qui me préoccupe maintenant, c'est surtout que on voudrait me sortir de chez moi. Alors là, ça va plus. Le monde a changé au point de vue administratif. Les personnes âgées, on veut dire qu'ils sont plus capables de se débrouiller chez eux et de les mettre en tutelle. Tutelle, curatelle. C'est incroyable. On kidnappe votre argent, l'argent que j'ai hérité de mes parents et de mes grands-parents. On le kidnappe pour en faire quoi? On dit toujours, oh, mais oui, on l'a mis en banque. Oui, en banque. Mais et les intérêts. Non, non. C'est des mensonges et du vol. Quand est-ce que ça a commencé, ça, monsieur Goubeau? Quand est-ce que ça a commencé, cette histoire-là? Oh, ça a commencé l'hiver dernier. Oui. L'hiver dernier. Ah, cet hiver 2017 ou en 2016? 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été souffrant, il y a eu quelque chose ou pas? Non, non, non. On ne me disait rien encore jusqu'alors. Puis tout d'un coup, j'ai vu une femme venir. Alors, qui me dit, mais on prend de vos nouvelles parce que vous êtes très âgé. Et maintenant, on veut vous donner des conseils parce que vous êtes trop vieux maintenant, vous êtes plus capable maintenant de mener votre vie proprement. Vous vivez chichement. C'est ce qu'on vous a dit, que vous vivez chichement, mais pourquoi, monsieur Goubeau? Je vis comme je l'entends et comme ça me convient. Je vais pas voir chez vous moi, comment vous vivez, grassement ou chichement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une décision judiciaire qui a été mise en place ou quoi? Ah, c'est une décision, oui. Une décision d'aller trouver les gens âgés, oui. Il n'y a pas que moi, hein. Est-ce qu'il y a un juge qui a été nommé ou pas? Oui, il y a un juge de tutelle et de curatelle. J'ai dit tutelle, qu'est-ce que ça veut dire? Un tuteur? Je suis pas un piquet. Ça veut dire ça. Ça n'a pas de sens. Il curatelle, je vous donne une cure. Pas que ce soit. Est-ce que vous aviez quelqu'un déjà qui s'occupait de vous
avant que cette décision ne soit prise? Qui c'est qui s'occupait de vous avant? Ben, j'avais Christine Labrousse, une jeune femme qu'on avait connue tout jeune ici, quand je faisais les gîtes ruraux. Elle venait avec sa mère, parce qu'à ce moment-là, les gîtes, on faisait la cuisine, et puis on faisait le ménage, on faisait la lessive, n'est-ce pas, hein, pour les personnes. Et alors, Christine, elle était très douée pour les comptes, vous savez, pour l'argent. Alors j'ai dit, bon, ben, c'est très bien, elle pourra s'occuper de mon argent. Et c'est ce qu'elle a fait. Et comme ça, s'occuper de mes comptes. Alors, moi j'avais seulement besoin, c'est de diriger les gens en alimentation. En alimentation et puis leur donner en des santé, conseils. En santé mentale. Oui. Oui, en santé mentale et physique. J'ai beaucoup appris. Je suis devenu presque un docteur en médecine naturelle. Et à l'heure actuelle, est-ce que Christine Labrousse a toujours la possibilité de vous aider ou une autre structure a pris la place? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Elle est administrativement, elle est en retraite, mais elle est restée. Elle est restée seule. À rien faire, elle est restée dans son devoir de bien faire, parce qu'elle a promis à ma mère de ne pas laisser seule quand je serai âgée. Elle est toujours restée. Est-ce que la juge lui a donné la possibilité de vous aider? Oui et non, quoi. Je ne sais pas, vous savez. Hein. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été nommé? Est-ce que le juge a nommé quelqu'un? Oui, il nomme quelqu'un, bien sûr, qui vient me voir, et puis qui dit, il est encore valide ou non. Et cette personne vient tous les combien, alors? Tous les mois. Donc c'est une structure administrative qui a été... Administrative, absolument. D'accord. Et comment vous ressentez cette nomination de structure administrative? Est-ce que ça vous convient ou pas? Je trouve ça que c'est un viol des personnes chez eux. Est-ce qu'il y a eu des modifications que vous avez ressenties comme malheureuses au niveau du courrier, au niveau des comptes? Oui. Au début, on me bloquait mon courrier aussi. On ouvrait ma boîte aux lettres. Et on ramassait mes lettres. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où nous tombons? Et puis après, on venait me voir. Et on vient encore me voir tous les mois. Si je tiens debout. Est-ce que vous avez l'impression que, à un moment donné, si vous ne faites pas attention, vous serez orienté vers une structure différente? Oui. Manifestement, ils cherchent à m'introduire dans une maison de retraite. Comment vous ressentez cela? Je vous dis. C'est comme un viol. Alors, personne ne peut plus vivre chez lui comme il veut, comme il a appris. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne me rappelle plus de mon temps, moi. Est-ce que vous avez des gens qui viennent pour vous aider pour la nourriture? Est-ce que vous avez du personnel un petit qui vient? Personnel qui vient m'aider tous les 3-4 jours, me faire une réserve de nourriture. Et puis Christine qui vient me faire le ménage, qui fait mes comptes. C'est tranquille. Comme ça, c'était très bien. Il n'y avait pas besoin de s'introduire chez moi et de dire maintenant il faut aller dans une maison de retraite. On n'est jamais mieux chez soi. Donc vous êtes décidé à tout faire pour rester chez vous. Ah oui, vous savez, hein, je me battrai, hein, bec et ongle. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous? Ben, on m'a dit, enfin, parce qu'on a été obligé de prendre un avocat, on a dit que, et on a appris qu'il y avait des milliers. Comme ça. Est-ce que vous pensez que votre témoignage peut aider d'autres personnes qui sont dans votre cas et qui ne savent pas quoi faire? Bah oui, bien sûr. Seulement les pauvres, s'ils n'ont pas assez d'argent, comprenez, pour payer un avocat par exemple, ils sont foutus. Hein. Ah oui, c'est fichu. Donc en fait, vous dénoncez une ingérence dans votre vie. Absolument. qui est intolérable pour vous. Intolérable, ah oui. Oui, ça me horripile, hein, moi, ça. Non. Comme j'ai vu mon ancien temps, ça, j'ai dit, vous savez, ça serait passé comme ça. Dans mon ancien temps, on aurait fait la révolution. Ah oui, on aurait tout cassé dans la rue. Hein. Est-ce que vous pensez aussi que du fait de votre position au sein de cette grande propriété n'est pas un handicap? J'avais là-bas la grande maison, là. Mais quand arrivait l'âge de la retraite bien tassé, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, il faut s'en aller maintenant. On va, parce que ça, cette maison-là, c'était une grange autrefois. J'avais des vaches, donc je faisais du fromage, du beurre, c'est sûr pour la maison. Et puis alors, il fallait rentrer le foin, il fallait... Et puis alors, j'étais très bon bricoleur, je réparais, je faisais toutes les réparations. Mon père était électricien qui m'aidait, tout ça. On a tout électrifié, tout arrangé, on a fait une maison. Et ici, on a fait une maison d'habitation. J'ai dit maintenant à ma petite mère, on va se retirer là, et puis on va vendre à côté. C'est ce que j'ai fait. J'ai vendu à ces gens-là, qui étaient de la Touraine. Alors, ça me plaisait, c'était sympa, parce que mon père était de la Touraine aussi. Et puis on s'est retiré là. On en a fait une maison d'habitation. Et puis j'ai vendu les vaches. Tout ça, c'était plein de poules. Tout ça. On était très heureux ici. On était dans un petit paradis, pour ainsi dire.
nature, on voyait des gens, mais tout ça. Alors, on n'avait pas se plaindre. Et maintenant, avec le système qui vous bloque, oui. Est-ce que vous avez l'impression que ce petit paradis est devenu un enfer? Ah oui. Oui, on veut incidemment, on veut que j'en ai assez, quoi. Que je me rende. On veut en quelque sorte vous chasser de chez vous. Oui, me chasser de chez moi. Oui. J'ai dit alors on a tous les moyens de faire mourir quelqu'un maintenant. Par l'administration. Donc en fait, ils vous ont à un moment donné, ils vous ont, par décision de justice, ils ont bloqué vos comptes, ils ont détourné... Ils ont bloqué mes comptes, oui, pour dire que je ne pouvais plus m'en occuper. Quoi. Bloquer mes comptes, et puis mon courrier. Hein. Mais comment vous faisiez, puisque... J'ai dit ça, c'est du vol. Je leur ai dit, moi, enfin, c'est du vol. Et qu'est-ce qu'ils répondaient ? Voler les gens d'une façon, hein, détournée. Et qu'est-ce qu'il vous disait pour justifier cela? Qu'est-ce qu'il disait? Ah ben parce que j'étais vieux, j'étais âgé, je pouvais plus rester seul, quoi. Mais vous n'étiez pas seul puisque vous avez dit que vous aviez secrétaire et vous aviez du petit personnel. Bah oui. Non. Il trouve tous les arguments là, pour dire que on est seul maintenant que. Normalement, on devrait rentrer en maison de retraite. Moi, j'ai connu les maisons de retraite autrefois. C'était l'hospice qu'on appelait. Et c'était chez les sœurs. Et chez les sœurs, ben, ils avaient des vaches, ils avaient une petite ferme, quoi. Et on les aidait. On les aidait quand on était vieux. Bon, ben. On écossait les haricots, on les aidait même à rentrer le foin. Ça, voilà. C'était très sympathique. Oui, c'est-à-dire que les personnes âgées se réfugiaient dans les hospices et aidaient les sœurs en fonction de leurs possibilités. Oui. C'était des structures qui étaient en fait des structures d'accueil. Pour les plus démunis qui n'avaient pas de famille. Oui, c'est ça. Ils ont l'accueil. C'était une charité. Voilà. Mais pour en arriver là, est-ce que vous n'avez pas eu des médecins qui sont venus faire des tests sur vous? Non. Non, parce que on m'a toujours reconnu valide. Hein. Alors, et j'avais assez d'argent pour me payer un petit personnel chez moi. Pas oublier que par ce système, on était végétarien avec ma mère aussi. Ma petite mère, elle est arrivée à 100 ans. Passé. Donc, c'est la preuve. C'est la preuve que. Oui, ça prouve. Hein. Et moi, j'en ai 90. On m'a dit ici, oh, mais. Oui, vous arrivez comme votre mère si vous restez dans votre environnement. Ah oui, si je reste là. Oh, si on m'enlève de force d'ici, on me tue. Hein. Là, on me tue. Ah, ouais. Oui, sous prétexte d'aider les gens âgés chez eux, ils prennent des mesures littéralement criminelles. Ouais. Parce que on doit laisser
La France, c'était un pays de liberté, qu'on disait. Alors, c'est plus la liberté, ça. C'est un forcing. Non, non. Je réprouve ça de toutes mes forces. Et je tiens debout. J'aide à jardiner où je donne des conseils. J'ai beaucoup appris là-dedans. Et dans la médecine naturelle aussi, des plantes. On n'a besoin de personne. On n'a besoin de personne. Est-ce que vous continuez à lire, à ah oui. discuter? Ah oui, ça lire, je lis, j'ai gardé de très bons livres. Docteur Carton, Alexis Carrel, tout ça, des livres qui ont du prix. Donc, Monsieur Goubeau, 1984, qu'est-ce que ça vous dit, ce livre de 1984, dans le meilleur des mondes possibles, Fahrenheit 451, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, je l'ai lu. C'est transformer l'homme en robot. C'est horrible. Là, là, c'est pas possible. Il y a des ingénieurs, d'ailleurs, qui se sont révoltés contre ça. Ah oui, c'est pas possible. Ça. Oui, j'ai lu Huxley. Aldous Huxley. Oui. Il a eu certainement des voyances parce qu'il était aveugle, Huxley. Une préscience. Oui, une préscience. Merci, Monsieur Goubeau, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Ah oui. Clamer, vous savez, à toute la France. Eh ben, je mange des légumes et puis une galette de blé avec un œuf. Voilà. Des œufs et un petit peu de fromage tous les deux jours. En principe, je prends un peu de fromage. Tous les deux jours, je prends un peu de fromage. Tous les deux jours, je prends de l'œuf. Je ne suis pas végétalien, mais végétarien. Voilà. Et les fruits? Et des fruits, oui. Des fruits de saison. De saison, oui.
Mais l'hiver, on mange du potiron qui a été conservé pour l'hiver. Tout est organisé pour ça. En tout, à chaque saison, chaque nourriture principale. Est-ce que vous prenez des médicaments, monsieur Goubeau? Ou alors je vais prendre des choses naturelles, quoi, issues de la nature. Vous voyez, du passiflore, par exemple, ou de la prostate aussi. Du pollen. Du pollen. Et le soir, je mange presque pas. Je vais me coucher. Et puis, hier, vous voyez, j'ai pas mangé du tout dans la nuit. J'ai jeûné. J'en fais du bien. Je suis l'organisme qui est. Où je bois. Je bois. Ce qui bassine l'organisme.